Allez, les voilà qui s'élancent pour cette épreuve réservée aux poneys. Un petit peu plus d'un tour à effectuer avec en dedans Palm Buckets Facet, le numéro 5 qui a pris un bon départ. Oh, ça se passe mal pour le numéro 1, Rosita. Avec Lenny Milieri qui parvient néanmoins à remettre dans de bonnes allures Rosita. Avec le numéro 5, Palm Buckets Facet qui a l'avantage. Avec en deuxième position, Cathedral's Gwen qui est accompagné en dehors par Scott Martini. Plus loin, nous retrouvons en dedans le numéro 6, Absolute Scott, qui est accompagné par le numéro 1, Rosita, qui est parvenu à bien se rééquilibrer après son départ un petit peu hésitant. Et puis à son extérieur, trotte le numéro 3, Iramis. Hein, Iramis d'ailleurs qui n'hésite pas à venir en quatrième épaisseur. Donc, ce premier tournant avec Chanez Metzger qui se ravise un peu d'ailleurs, hein, qui essaie de reprendre un petit peu son partenaire qui doit quand même effectuer les boulevards là-bas complètement en dehors. Pendant ce temps, eh bien, Palm Buckets Facet avec Luca Cataneo contrôle la situation étant tête et corde avec en deuxième position Cathedral's Gwen avec Ilonakis. La troisième place pour Scott Martini avec Anave Pochon, suivi encore par Rosita avec Lenny Milieri qui se retrouve à la corde. Le 3 Iramis avec Chanez Metzger qui reste toujours en épaisseur. Et puis numéro 6, Absolute Scott avec Michel Josselin qui patiente dans le sillage des premiers. Bientôt le milieu de la ligne opposée avec un petit peloton qui est toujours très compact avec Palm Buckets Facet qui a l'avantage, qui est un petit peu débordé d'ailleurs maintenant par Scott Martini en dehors avec Anae Pochon. Le 4 Cathedral's Gwen est au centre tout près, suivi encore par le numéro 1 Rosita. Rosita qui précède Absolute Scott, le numéro 6 avec le numéro 3 Iramis après son début de parcours un petit peu compliqué qui est un peu repris et ça se retrouve toujours à l'arrière. Scott Martini qui est là tout près avec toujours en dehors Iramis, hein, le numéro 3 qui tente une nouvelle fois de passer quelque peu à l'offensive mais qui reste en suspension. Le 4 Cathedral's Gwen avec Ilonakis venant très librement pour l'instant sur la ligne de tête alors que le numéro 6 Absolute Scott se retrouve en dernière position. Milieu du tournant final avec Palm Buckets Facet en tête depuis le départ, accompagné par Cathedral's Gwen, avec également en dehors le numéro 2, Scott Martini, avec Rosita qui est en dedans, devant également le numéro 6, Absolute Scott, et la dernière place maintenant pour le numéro 3, Iramis. Ils abordent bientôt la dernière ligne droite avec Palm Buckets Facet, avec Luca Cataneo qui a la tête et la corde depuis le départ, avec Cathedral's Gwen, le numéro 4 avec Ilonakis qui est à sa hauteur, et tous les deux qui commencent déjà à lutter pour la victoire, avec le numéro 2, Scott Martini, et Pochon qui commence à se rapprocher à l'extérieur devant également encore Rosita avec Lenny Miliani qui n'a pas l'ouverture et qui vient d'ailleurs de prendre le galop. La mini droite avec à l'extérieur Scott Martini, Anae Pochon qui lutte maintenant avec le numéro 4 Cathedral's Gwen avec Ilonakis. Cathedral's Gwen avec Ilonakis qui a toujours l'avantage avec à l'extérieur maintenant le 2 Scott Martini, Anae Pochon qui tente de passer à la vitesse supérieure avec le numéro 2 Scott Martini qui se détache maintenant environ 100 mètres de l'arrivée au dépens de Cathedral's Gwen avec à la corde le numéro 5 Palm Buckets Facet qui se défend bien et Absolute Scott qui après longtemps patienté refait pas mal de terrain. Victoire sans problème pour le numéro 2 Scott Martini avec Anae Pochon. La deuxième place pour le numéro 4 Cathedral's Gwen, la troisième qui est peut-être conservée par le numéro 5 Palm Buckets Facet qui a commis une petite hésitation, ce qui était le cas d'ailleurs également du numéro 6 Absolute Scott. On va patienter pour en savoir un petit peu plus. 2 et 4, ça n'y a pas de souci. Derrière c'est le 5 Palm Buckets Facet qui passe le poteau en troisième position devant le numéro 6 Absolute Scott, mais tous les deux se sont montrés un peu hésitants, un peu fautifs d'ailleurs aux abords du poteau. On va voir ce que l'on va décider concernant donc cette compétition. On renvoie le passage du poteau à l'instant avec Scott Martini qui s'impose aux dépens de Cathedral's Gwen. On a vu les deux fautes hein, des numéros 5 et 6, mais qui ont été remis juste à temps, qui passent finalement le poteau au trot. On va donc en savoir un petit peu plus concernant ces deux poneys d'ici quelques instants. Victoire en tout cas sans trop de problèmes hein, pour Scott Martini, le numéro 2, avec Anae Pochon qui a pu bénéficier d'un bon parcours, toujours sur la ligne de tête, et qui a lutté avec Cathedral's Gwen, avec
Ilonakis qui termine deuxième, environ 150 mètres du poteau. Scott Smartini qui est parvenu à prendre assez facilement le meilleur et qui ensuite n'a pas connu véritablement d'opposition.